Pose des connes. Pose des connes. Pose des connes. Il est un peu toc-toc celui-là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis? Ils sont où? Ah, ils sont là. Salut les youtubeuses. Salut les entubeurs. Bon, alors ça va? Ça va? Ça va pas trop en ce moment, hein? Oui, bah je sais, oui. Oui, bah on est tous un petit peu confinés, hein? Ouais. D'ailleurs, moi je suis complètement confit, moi. Regarde la touche, regarde. Il va peut-être falloir que je me rase aussi, hein? Ça fait dégueulasse. Ouais, d'accord, mais la barbe c'est vachement bien en période de guerre pour faire Rambo. Putain, c'est pas crédible ça. Pour faire Rambo. Putain, ça va pas ça. Pour faire Rambo. Oh putain, je me suis coupé, merde. Putain, merde. Il va peut-être falloir que je me rase aussi, hein. Eh, la barbe, pour imiter Cyril Lignac aussi, hein, c'est bien raccord, hein. C'est une imitation bien friande, bien gourmande, hein. Hein, Mercotte. Oh, Mercotte, merde. Ça fouette. Il faut te raser. Ah oui, mais la barbe, c'est aussi formidable pour faire Jean-Paul Belmondo. Tiens, cascade, hop! Il va peut-être falloir que je me... Ça peut plaire aux filles, hein? Portugaise. Oh, tcha-tcha-tcha-tcha, blague raciste, oh. Oh, mais moi portugais, mais moi pas piqué, Dites donc, les maboules. Ça va durer longtemps, les blagues pourries sur les barbus. Monsieur le Premier ministre, vous êtes à l'antenne. Et enfin, une barbe, c'est aussi parfait pour faire Edouard Philippe. Putain, t'as vu, regarde, je me suis rasé pour de vrai, là. J'ai du blanc pour faire pourri. Putain, les trucages! Et justement, j'ai des copains moi sur les réseaux sociaux qui me disent oui, alors on est un petit peu triste parce qu'on peut plus sortir de chez nous, on peut plus aller au café, théâtre, au théâtre, one man show, on peut plus venir te voir, on peut plus se marrer. Alors tu pourrais pas nous faire des petites hein? Ok, d'accord. Alors je me dévoue encore. Voilà, je me sacrifie. D'accord, ok. Bon, alors je vous propose la pause déconne. C'est quoi la pause déconne? C'est une pause pour la déconne. Qu'on soit bien clair, hein. La pause pour la déconne. La pause pour la déconne. La pause pour la déconne. Moi, je vous donne des trucs, vous rigolez pas, vous faites ce que vous voulez. Mais après, faut pas me charger sur les réseaux sociaux, hein, d'accord, hein. Parce que ça va parler de politique, ça va parler de cul, ça va parler d'actualité, ça va parler de... Enfin, tout ce qui fait rire, hein. Voilà, parce qu'ici, il n'y a pas de censure. C'est ça qui est formidable. Allez, vous êtes prêts? Pour la pause déconne, on y va. Bon, Régine. Scalpel, coussin péteur et boîte à rire, s'il te plaît. C'est la fin. Pause déconne. À bientôt.